Allez. En direct de la troisième étape. La troisième étape du Tour de France avec Daniel Mollas, Christophe Brandt qui est derrière nous et Philippe Gilbert. Bon alors Philippe, on est à bienvenue de retour sur le journal de bord de Nicolas Lhut. Je sais que vous êtes un inconditionnel du journal de bord. Eh oui, bien sûr. Je suis vos films amateurs depuis plus de 2 ans maintenant. 2 ans. Eh oui, j'étais fan. Et je me rappelle la première fois qu'on a roulé ensemble, c'était ici dans le coin, près de Saint-Raphaël. J'avais fait des imitations. Eh ouais, j'avais imité Laurent. Laurent Jalabert. C'est vrai, c'est juste. Après, qui c'est qu'on avait fait ? Daniel Mangias, bien sûr, l'inconditionnel, le fils caché d'Yvette Horner. Ouais. Et qu'est-ce qu'il dit de vous alors, Philippe, quand vous passez sur le podium ? Ah, il exagère un peu mon palmarès. Et il dit que j'ai gagné 5 étapes au Paris-Nice, au Tour de l'Avenir. Et dans ces deux déclarations, il n'y a qu'une étape de juste au Tour de l'Avenir. Donc il se trompe un peu des fois, mais ça fait toujours plaisir. Hein. D'accord. Et ça va, il ne pousse pas la voix un peu trop fort, ça va ? Ah, si, il devient un peu sourd et il met le volume au maximum. Donc, Oh, ça reste un champion. Bon, allez, pour l'étape, là, vous auriez boycotté aussi l'arrivée comme Fabien ? Non, j'étais énervé hier dans mon canapé et ici, on est sur ton escalier, tu vois, il reste 2,3 km là. Et aujourd'hui, bizarrement, Cancellara, il fait la course alors qu'il y a eu des chutes partout. Il y a eu des abandons, il y a eu un de ses équipiers qui a abandonné aussi. Donc il y avait toutes les raisons de faire grève. Et bizarrement, il fait la course. Donc on va demander à tes fans sur ton blog qu'ils fassent des réactions, qu'ils disent ce qu'ils en pensent. Et je pense qu'ils penseront un peu comme nous que c'était déplacé de faire grève hier. Merci Philippe. Vous avez entendu l'appel ? L'appel du champion. Réagissez. L'appel du champion. Réagissez en laissant des commentaires. Merci. Bonne fin de saison. Hein. À bientôt. On va peut-être se croiser encore d'ici la fin de saison. Plouet, tu fais pas, non ? Bah non, je fais pas Plouet. Je ferai une course en Bretagne l'année prochaine. Mais cette année, non. Cette année, non. Tu fais pas une 1-2-3 là dans la région, non ? Non. Pas le Grand Prix de Brasse ? Non. Bon, on se verra. J'aurais pas. J'aurais pas voulu m'inscrire. Merci Philippe. et on salue aussi, attendez. Christophe Brandt, 12 ans de carrière, alors qu'il n'a que 18 ans. Et toutes ses dents. Merci Christophe.